परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 19, करम जी लकी सितारे, le 19 juillet, ce sera les étoiles sans chose. ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाले ब्रह्मचारी बनो। जैसे ब्रह्मा बाप का स्नेह विशेष मुरली से रहा, Maharshari. En particulier pour le murlier, par conséquent, il est devenu Murlidhar. Son symbole, même dans sa forme future de Shri Krishna. Avoir de l'amour pour ce que ça s'appelle être envers le Père Brahma, c'est-à-dire être Brahmachari. Maintenant, nous écoutons Moni Didi. Le thème de demain, ce sont les étoiles chanceuses. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Elle a dit trois fois Om Shanti, Om Shanti. Shabd to bahut sadharan hai. Do shabd hai Om Shanti. Kehne mein bhi sadharan hai. Les mots ne sont pas si ordinaires. On sait deux mots, même s'ils semblent quelquefois ordinaires du fait de le répéter. Ce sont des mots qui sont la base de notre vie en tant qu'âme, comme la paix, incarnation de paix. Même si je dis je suis paisible, je suis une âme. Donc en premier, 2 ou 5 minutes avant d'être occupé ou occupé à une tâche, en étant cela, stabiliser notre esprit, centrer. Et donc, notre première pensée, nous disons à nous-mêmes, je suis l'incarnation de la paix. À travers ma bouche, je dis alors ces mots « Om Shanti » afin qu'il y ait l'expérience. À travers l'appel, il y a le pouvoir que je reçois. De très belles vibrations sont formées, sont créées. Alors, peu importe les circonstances, avec l'esprit, il reste au-delà, dit tranquille, serein. C'est tout ce que nous avons à dire, alors Om Shanti. Baba parle des aspects très élevés de la connaissance pour nous les enfants. Semble la vérité parce que c'est ce que nous sommes. जिसकी शिक्षा से रक्षा भी होती है मैं कहती हूं vers cela il y a donc une protection vers ses enseignements. Je dis qu'il est le professeur mais qu'il est aussi le protecteur parce que quoi que ce soit, quel que soit qui peut émerger dans l'esprit, les enseignements du professeur, si je m'en souviens, alors il y a de la protection à travers ces enseignements.
de l'intérêt pour un certain aspect, il peut y avoir de la peur. Quel que soit ce qui émerge dans l'esprit, quelquefois il peut y en avoir beaucoup, et selon les enseignements de Baba, Baba est un tel professeur bienveillant qui apporte cette bienveillance. Non, je le lis, mais en fait, chacun reçoit le Murli, que ce soit par la poste, maintenant par Internet. Et nous attendons en nous disant qu'est-ce que Baba va nous dire aujourd'hui. C'est 62 ans. Deux ans pour moi, et je n'ai pas manqué le Murli un seul jour. Sans cela, sanskar, parce que selon les sanskars, les pensées émergent, selon les circonstances, selon les situations, est-ce qu'il y a les pensées qui vont venir d'hier ou d'aujourd'hui? Donc les pensées émergent. Si je me souviens des enseignements qui ont été donnés ce matin, émergent, les pensées émergent. Alors non seulement le niveau devient élevé, mais il y a l'autorité de l'âme, la capacité de l'âme. L'âme, même dans le lokique, même dans le lokique, l'éducation est très importante. Combien d'entre vous ont écouté et lu le Murli chaque jour? Vous n'avez jamais manqué le Murli quelquefois? Est-ce que vous avez manqué quelquefois? Non, n'est-ce pas? Le temps est tel. Et à ce moment-là, nous avons besoin d'une certaine loi. T'es lu avant 5h et 6h. Et ensuite, Baba a dit, les enfants devaient revenir. Parce que les mères devaient revenir s'occuper des enfants, et donc ils finissaient à 6h. Les Murli ont été donnés plus tard, en 6h, 6h15. Le Murli du matin, deux aspects sont là pour le corps. Nous prenons la douche, nous purifions. Ces gens-ci, nous parlons du petit déjeuner. Nous devons prendre le petit déjeuner. Donc, certains disent non, nous mangeons trop tôt, nous mangeons plus tard à 10h. Mais selon nos croyances, notre compréhension, qu'est-ce que je dois en premier? Je mange le soir. Je pense qu'elle disait le fait de manger le soir, ou bien trop tard, ou bien le fait de manger plus tôt pour que permettre qu'au matin, en fait, il n'y ait pas autant de faim. Donc, il y a donc lors des petits déjeuners, il y a du snack, quelques confitures, beaucoup de variétés maintenant nous avons dans le petit déjeuner. Selon ce que la personne, selon ce que les personnes ont besoin de manger. Donc, tout cela, c'est pour le corps. Ce n'est pas que nous bouchons quelquefois ou que nous devons manger quelquefois. Mais l'âme, qu'est-ce qu'elle a besoin pour le corps? Tant,
Nous avons tant de catégories de diète. Pour beaucoup de gens, tout devrait être pur. Toujours la nourriture qui devrait être pure. Donc, qu'est-ce que nous donnons pour là maintenant? Dès que nous nous levons, nous devons donner la nourriture de la connaissance. Parce que même si nous une édiction ou des slogans, quel que soit le point du merveille, alors nous sentons très bien. La pensée, le pouvoir, tout ce que vous créez, selon votre créativité, cela peut venir de vos pensées, mais votre intellect, votre esprit, très tôt le matin, nous le purifions avec une telle étendue, nous leur donnons une telle nourriture qu'à travers toute la journée, que ce soit les circonstances qui arrivent, il y a des réponses qui peuvent être données pour cela. Même si ce n'est qu'une petite chose ou s'il peut y avoir une certaine confusion ou des réponses à donner. La plus grande chose, l'aspect le plus important, c'est que si quelque chose n'est pas clair, arrêtez simplement de penser. Parce que je peux penser d'une telle façon tant que je peux mélanger ou créer une sorte de confusion. Comme si j'annule mon niveau. Combien savent comment mettre un point final? Le point final, si vous mettez un point, c'est différent de mettre un point d'interrogation. Il y a des efforts dans cela. Donc, c'est simple de mettre un point final. Il n'y a pas d'effort à ce moment-là. Immédiatement, appliquez un frein et mettez. Et alors, à ce moment-là, vous pouvez penser plus tard. Ce n'est pas que vous n'avez pas à penser, vous devez y penser. Mais que vous voyez que, parce que pour une certaine raison, que votre esprit n'est pas stable ou n'est pas correct, n'est pas dans un bon niveau, alors quel que soit ce que vous voulez faire, alors ce ne sera pas utile. Quel que soit ce que vous pensez, vous devez annuler quelquefois toutes ces sortes de pensées. Donc, pourquoi devriez-vous penser d'une telle façon que vous ayez ensuite à les annuler? Donc, il est besoin de clarté dans l'esprit. Mon intellect devrait être sur un chemin correct. Alors, qu'est-ce que nous faisons pour cela? En premier, nous mettons un point final. Alors, nous pensons au point de la dharma, aux vertus. Nous appliquons cela et ensuite, nous pensons. Alors, vous pouvez devenir l'incarnation de l'amour, l'incarnation de la paix, en pensant avec patience. L'esprit, les pensées, les paroles, les actions, les attitudes ne devraient pas être sous une forme de réaction, parce qu'il y a de l'opposition ensuite, sans cela. Alors, c'est comme si vous ne pouvez mettre fin à tout cela. Vous êtes piégé dans ces sortes de pensées. Vous êtes piégé dans un cycle de pensée. Donc, quels que soient les autres pensent ou font, qu'est-ce que je dois faire? Je devrais donner une telle réponse, je devrais me sentir bien. Créer avec qui que ce soit à cause des pensées. En fait, de penser à quelqu'un, beaucoup sur quelqu'un, il y a des gens qui disent que beaucoup de comptes sont créés. De toute façon, on fait cela. Chacun joue son rôle. Je n'ai pas reçu le devoir.
je n'ai pas reçu le devoir de donner un rôle à quelqu'un. Donc, il me dire cela. Donc, je peux avoir une très bonne réponse en apportant du bénéfice pour moi-même ainsi que pour les autres. Les autres, alors, peuvent ressentir que c'est une très bonne chose. Nous obtenons des dons, nous obtenons la charité à travers des pensées élevées. Si mes pensées sont emplies de vertus et une image de vertus très élevée, on sait quelque chose d'hier, est-ce que j'ai... Donc, en fait, vous devez amener certaines qualités, certaines pensées de qualité. Mes paroles devraient être que mes paroles soient dignes et qu'elles peuvent être offertes. Et c'est pour cela que nous avons de l'amour pour Baba. Et selon l'étendue que vous avez, l'amour pour le Père, selon l'étendue que... Donc, d'un sens inverse, si vous avez de l'amour pour le Murli, vous avez de l'amour pour le Père aussi. Est-ce que quelqu'un peut oublier ses parents? Donc, l'âme est l'enfant de l'âme suprême, et donc, comment peut-elle oublier? Et pour créer une relation, nous avons besoin vraiment. C'est selon l'étendue que nous tuerons la connaissance, selon cette étendue, alors le souvenir deviendra constant. Donc le devoir demain, c'est d'être une étoile chanceuse. Donc chacun parle des présages venant des étoiles, que nous sommes des étoiles, que nous brillons. Notre pureté, alors non seulement ma fortune, tout le monde recevra que sentiront que ce sont des présages de Jupiter. Et sur ces présages de Jupiter, alors je coopère avec qui que ce soit. De nos jours, alors aujourd'hui, pour demain, je serai une âme chanceuse. Baba est mon vrai, et ma vraie étoile. Il augmente la lumière du monde entier. Bonne chance. Karan Karavanhar. Lucky Sitare. Karan Karavanhar. Les étoiles chanceuses. Lucky Sitare. Perdi. Chanceuse. C'est vous que je vous enseigne. Vous servez l'humanité. Vous servez à éveiller l'humanité. Vous rendez heureux les malheureux. Ravana et le Père dit. Je fais à vous, les âmes, accomplir une bonne tâche. Je fais un très bon karma à travers vous et vous, les âmes, vous accomplissez une bonne tâche. Chante.